Bonjour les gens, on se retrouve sur l'accueil de Terraria et non pas directement et non pas directement sur le jeu pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je peux tourner Fraps sans avoir des problèmes au niveau des uploads, car j'ai un petit logiciel que j'ai eu récemment, juste aujourd'hui, qui me permettra de convertir mes vidéos. Une vidéo qui faisait 1,46 giga, faisait plus que 95 MO, c'est juste énorme. Alors, je suis tout content, je suis bien motivé pour continuer avec ce tout nouvel épisode que je vous propose sur Terra. Là. Alors, on va partir. Oui, voilà, c'est ça. Sur Let's Play Terraria, let's go. Attendez, juste un instant. Alors, ça lag un peu, c'est normal. Enfin non, c'est pas vraiment normal, mais bon, personnellement, ça s'est pas vu. Quasiment pas. Alors, je pense qu'on va aller plus dans les cavernes aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup... Enfin, je veux dire, on a pas beaucoup été visiter les cavernes. Dans le monde de Terraria, c'est un truc très important à faire. Les cavernes. Je pense que vous en doutez. Alors on va faire notre gros putain de geek et on va aller sous terre. Tout en essayant de ne pas crever si possible. Ça devrait à mon avis le faire. Ça serait pas crever comme ça de la grosse main. Normalement. Ah, j'ai encore des cicatrices, non je veux dire des petites séquelles de ma toux que j'avais quelques jours avant. Mais sinon vous sentirez la différence. Je suis clairement gay. Mis à part ça, je tousse encore un tout petit peu. Ça va, ça devrait pas trop me gêner là. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça sur ma chaîne et puis plus tard je vais me revoir sur mes anciennes vidéos où je me suis... Putain, qu'est-ce que c'était nul XSplit. En même temps j'ai la version déchet, je sais pas ce que ça donne XSplit, la version payante. Vu que j'ai pas les moyens d'acheter en ligne, on est bien que je fais que les moyens du temps. Bien. Hop. C'est dark ici. Heureusement les slimes sont... Bah c'est pas qu'ils sont bêtes mais ils peuvent pas rentrer dans l'eau. Dommage. Je slime. Bon. Alors. Là c'est rouge. D'ailleurs, il me manque pas mal de vie, c'est fini. On va continuer à creuser. Là où on s'est arrêté la dernière fois. J'ai quand même l'impression que le son est un peu fort. Ouais, non, c'est normal. Il faut laisser ainsi. Juste laisser le son à 5%. Voilà. On devrait plus entendre ma voix, je suppose. D'ailleurs, j'aurais pas trop mal, je pense, vu que je suis guéri à laisser ma voix à une sonorité assez haute. Je sais pas si ça se dit, pour me casser la tête à trouver un mot si je l'ai pas directement. Cuivre ça, non? Ouais, c'est du cuivre. Eh bien, cool. Ça va nous faire du minerai en plus. Oh, il y en a beaucoup en plus.
Ah, il y en a même beaucoup, beaucoup. C'est des blocs de sable. Intéressant. Alors, on est tombé sur un gisement de cuivre. C'est what the fuck. Oula, il y a eu un petit freeze. Mais bon, c'est rien comparé au lag qu'il y avait dans mes anciennes vidéos. Je pense que vous l'auriez remarqué. Franchement, la différence entre Explix et Fraps à ce niveau-là est... Non, elle est pas imperceptible. Elle se voit vraiment. Les vidéos seront tournées du coup en 480p. Si ça, c'est pas une révolution sur ma chaîne. Je vous inviterai à, on dire, à bien apprécier cette vidéo. Vous qui me suivez, depuis quelques semaines. Franchement, ça a dû, je vous mets à votre place, même si je peux des vidéos avec plaisir. Je pense que ça vous faisait chier de regarder des vidéos en 360p qui l'a vu quelques fois avec les splits. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça aujourd'hui, c'est du passé. Vu qu'on a un peu commencé les esprits qui sont à peine intéressants, on va dire que c'est à peine grave. Il y a moyen de bien rattraper tout. Peu... Ah, ça fait du bien maintenant, pouvoir tourner avec Fraps. Je m'en sers enfin. Parce que oui, avant je m'en servais pas. J'avais aucun logiciel de convertissement. Alors je regardais des tutos sur YouTube pour pouvoir convertir mes vidéos. J'avais des tutos du style. Ouais, pouvoir convertir ces fichiers sans logiciel. C'était seulement pour convertir des vidéos, pas pour les rendre moins incomprends au niveau des gigas. Donc c'est le genre de vidéo qui t'intéresse quand tu vois le titre, mais quand dans les faits tu vois la vidéo, ben en fait ça t'intéresse pas comme ça. Bon, après je dis pas, il y a des bons tutos sur YouTube. D'ailleurs, c'est le tuto qui m'a permis de... D'ailleurs c'est un tuto qui m'a permis d'avoir le logiciel que j'utilise actuellement pour convertir ma vidéo. C'est Free de vidéo bien couverte, faire. Et franchement, j'ai vu le résultat, j'en suis vraiment... assez longtemps. En plus, pour une vidéo de 15 minutes, je dois seulement attendre 7 minutes, donc la moitié. Pour attendre la convertissement, c'est juste énorme. Parce que attendre la moitié d'une vidéo de 15 minutes, pour au final faire seulement 10 minutes d'upload, c'est vraiment de... Voilà, je pense que mes vidéos, elles vont sortir à un rythme effréné. Ah, je compte sur vous pour avoir de bons retours, maximiser les pouces verts et les vues qui pendant ces temps-ci, sont pas très méchants. Hein. Quelques vues en une journée, un pouce vert ou deux. Jusque là, je me souviens pas avoir eu de pouces rouges. Donc, franchement, j'ai pas plein à cette fois. Mais si vous pouvez adhérer à ces nouvelles vidéos qui vous feront, je pense, plaisir, bah, ça ne pourra de mon côté que m'encourager à sortir encore de plus en plus de qualité. Ma chaîne commence à prendre une belle tournure. Et il ne tient qu'à vous, chers abonnés, de faire en sorte qu'on s'épanouisse. Jusque-là, maintenant, j'ai plus rien d'autre à ajouter. Je compte sur vous, chers abonnés. Certes, je n'ai presque que 23 abonnés. 23 abonnés, c'est quand même quelque chose. C'est quand même 23 personnes. C'est pas genre, je suis tout seul. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis quand même. Je compte sur vous. Entre youtubeurs et abonnés, on doit s'en occuper. C'est exactement la même pensée que je ressens que le rire jaune.
il avait fait sa vidéo sur YouTube Money. Moi personnellement, de toute façon, je suis pas une vidéo. Oh, la lune de sang se lève. Intéressant ça. Ah, mais du coup, je sais comment pour remonter. Ah, je vais shit. La lune de sang, c'est un événement assez particulier. Ça me permet de pouvoir combattre beaucoup de monstres. Vous allez voir ça. En plus, l'eau, on la voit, elle est toute dégueulasse. Elle est ensanglantée. Bon, bah, la lune de sang, c'est la lune de sang. Voilà, je veux dire, ce serait pas une lune de sang s'il n'y aurait pas... Oh, t'es sérieux, t'as réussi à passer? Wang va juste être vachement plus. Ouais, déjà il y a beaucoup de slime, vous voyez. Ça donne une petite idée du monde qui est à l'extérieur. On va aller voir ça. Il est pas si bas que ça. Enfin, je pense. Non, normalement on devrait atteindre la sortie, non. Pas longtemps. Bon, pas, des fois il y a des torches qui disparaissent. Ah non, c'est pas par là. Je me dépêche parce que la lune de sang a quand même un effet limité. Ah, et bah ça va bientôt être pour la fin de la vidéo, les gens. Parce que là, je vais dépasser les 15 minutes. Donc, je ferai la lune de sang plus tard. Ne vous inquiétez pas. Je suis juste retourné chez moi. De voilà pouvoir vous quitter sur cette fin de vidéo. Oh, t'as bon, ça finit. Bah, je vais vous quitter tout de suite, les gens, parce que j'ai vraiment peur que je dépasse la limite du temps qui m'est imparti. Donc, on se retrouve plus tard pour un nouvel épisode de Terraria. Ciao, les gens. Ciao, les gens. Deuxième fois.